Suite à la décision de la réouverture partielle des frontières aériennes et la reprise des vols internationaux après une fermeture de plus d'une année, les employés du transport d'Algérie Ferry attendaient une annonce d'une décision similaire, concernant la reprise des traversées maritimes suspendues depuis mars 2020, mais en vain. Dans ce contexte, deux députés de l'émigration, Abdelouab, Yagoubi et Taufik Kodim en l'occurrence, ont effectué hier Mardi 21 septembre 2021, une visite de travail au siège de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, a-t-on appris des pages Facebook officielles des dites députées? Dans le cadre d'un programme de travail de la Commission des relations extérieures, nous avons effectué mardi 21 septembre, en tant que représentant de la diaspora, une visite de travail au siège de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, a écrit Abdeloua Abiagoubi. Le parlementaire a ajouté, lors de la visite, nous avons rencontré le directeur général, Asen Goraïria, les membres du conseil d'administration, ainsi que les représentants des travailleurs. Après une présentation complète et détaillée de la situation actuelle de l'entreprise par Goraïria, la réunion a traité toutes les préoccupations, problèmes et priorités privilégiées par les deux parties, a souligné le même député. Ce dernier a également signalé que des rapports détaillés ont été présentés sur le nouveau navire bord Badoji Mokhtar III, ainsi que les détails du contrat conclu avec les Chinois, le cahier des charges et la garantie de maintenance pour une durée de 5 ans. Taoufik Kodim insiste sur la reprise des croisières. De son côté, le député Taufik Kodim a précisé qu'au cours de la même réunion, ils ont abordé la situation de cette importante institution de l'état de préparation de ses équipages et de ses navires ainsi que les mesures sanitaires prises pour faire face à l'épidémie de coronavirus en cas de la reprise des croisières. Le même représentant a ajouté, le point le plus important que nous avons traité lors de la réunion est la nécessité de précipiter l'ouverture des frontières maritimes et de donner le feu vert à la reprise des voyages, afin de permettre à la diaspora de rejoindre l'Algérie, mais aussi de sauver l'entreprise d'une éventuelle faillite à la fin de sa publication taoufi Kedim, a affirmé qu'une autre réunion est programmée après la reprise des croisières avec le directeur de la même entreprise et ce afin d'aborder d'autres préoccupations de la communauté algérienne à savoir les prix des billets les destinations et les services. au final si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.